تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور. الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور. الكل يناجي خالقه. Pour remplacer notre professeur Hassan Iqüissel, notre honorable prédicateur Mustafa Abu Umam de l'Oasis de l'Excellence, connu de la plupart d'entre vous de par ses vidéos et ses séquences partagées et publiées sur le net, qu'Allah le préserve et l'en récompense. L'antidote pour une âme reposée, comment pouvoir bénéficier de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'en est-il du bon conseil entre les musulmans? La miséricorde et le sourire, les avons oubliés? Qu'en est-il de la sincérité totale dans l'adoration? Comment se protéger des rouages de Shaitan? C'est dans cette conférence qui nous sera donnée et présentée par le prédicateur Mustafa Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir depuis Paris, depuis la France, pour participer à ce colloque annuel, colloque qui est intitulé « Prisonnier par mon âme ». Et sans plus tarder, je vais lui céder la parole. فليتفضل الأستاذ الداعية مصطفى أبو أمامة مشكورا مأجورا معززا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي وسلم صلاة وسلام يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا رب صلي وسلم على عظيمنا محمد. يا رب صلي وسلم على قائدنا محمد. يا رب صلي وسلم على معلمنا محمد. يا رب صلي وسلم على شفيعنا محمد. قلت له يا رب وقولك الحق. يا محمد ارفع رأسك، اسأل تعطى، اشفع تشفع. اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب كما آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الذي لا إله إلا هو غيره نسوي إبخوفي أجردوي d'intervenir juste après Cheikh Adil Jattari, jazahullahu anna kulla khair, et essayer de remplacer l'irremplaçable Hassan Iqüissel, dont je suis dans une vraie épreuve. Si je perds mes facultés, vous me pardonnerez, inshallah, mais j'essaierai quand même d'essayer de partager avec vous un petit moment de rappel, inshallah. Sachant aussi que le sujet est extrêmement important, subhanallah, extrêmement profond. Et qu'Allah nous facilite, inshallah, qu'Allah nous facilite d'essayer d'apprivoiser ce sujet très, 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 très important, subhanallah. Ikhwan, donc, vous avez passé quelques jours, quelques soirées, alhamdulillah, à voir un peu l'état de nos âmes, de vos âmes, subhanallah. Le résultat, quand on médite sur nous-mêmes, sur nos âmes, on voit des choses, subhanallah, qui ne sont pas très satisfaisante. On voit beaucoup de choses d'instabilité, liées à l'instabilité. On voit des choses liées à des bassins, subhanallah, dans nos âmes. On voit des choses vraiment très, 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 très loin du modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était Qur'an Yemshi, qui était un Coran ambulant. Aujourd'hui, on essaye, comme on peut, inshallah, d'approcher un peu la problématique qui nous concerne. Parce que
Comme à chaque fois je dis, on peut parler, on peut tergiverser des heures et des heures et des heures sur les problèmes de la Oumma, et on ne va pas pouvoir s'en sortir. Mais, alhamdoulilah, il y a une renaissance aujourd'hui, il y a des gens, alhamdoulilah, qui essayent d'évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais, inchallah, vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones ici? Qui sont les francophones ici? Il faut que je vois un peu comment j'oriente mon intervention. La plupart sont des halal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. » Un nafsul mutma'inna, ya ikhwan, c'est celle-là qui manque. Aujourd'hui, nous manquons de nafs mutma'inna. Je ne sais pas si les frères vous ont parlé des trois types de nafs qui existent. Donc ils ont évoqué les trois types de nafs, donc on va rapidement les rappeler. « Nafsul ammaratu bissu, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsal ammaratum bissu illa ma rahima rabbi. » Cette nafs, subhanallah, c'est la nafs de la grande majorité d'entre nous. C'est une nafs qui ne te rappelle que le mal, qui ne veut que le mal, qui n'exprime que le mal et qui ne vit que pour le mal, subhanallah. Ça, c'est la première. La deuxième, « La uqsimu bi yawmi al-qiyama, wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama. » Cette nafs, Allah subhanahu wa ta'ala, a juré par cette nafs. La nafs al-lawwama, c'est celle qui exprime toujours des remords. Celle qui, même quand tu fais le péché, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas contente, elle te rappelle, elle exprime des remords. Et la troisième, c'est celle-là qu'on va, inshallah, essayer d'apprivoiser aujourd'hui. C'est « nafs al-mutma'inna ». Un nafs al-mutma'inna, celle qui est apaisée. Un niveau très 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 élevé, subhanallah, de cheminement. Cette hadi hiya nafs que la grande majorité de ceux qui veulent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala visent. Donc un nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Et on doit, inshallah, essayer d'abord de la définir. Donc vers une âme reposée, l'antidote pour une âme reposée, il faut absolument, inshallah, déjà qu'on donne une définition de l'antidote lui-même et de l'âme reposée. Donc l'âme reposée, c'est celle qui, elle est stabilisée, heureuse. Elle est heureuse quelle que soit la situation. Elle est apaisée quelle que soit la situation. Celle qui s'élève, subhanallah, malgré toutes les épreuves. Celle qui ne rappelle que le bien, ne fait que le bien, celle qui est un vrai délice, subhanallah, pour les gens, celle qui passe son temps à demander des comptes à elle-même. Cette nafs-là demande des comptes à elle-même, ne se concentre pas sur l'autre, ne passe pas son temps sur l'autre, à faire muhasabat l'autre, à demander des comptes à l'autre, elle est d'abord concentrée sur elle-même. Donc, Inch'Allah, il faut d'abord que je vous lise, Inch'Allah, une définition que j'ai trouvée. Donc, il y en a tellement. Et Inch'Allah, on va essayer de tourner vers cette définition. Donc, النفس المطمئنة هي أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها نفسك. Donc, النفس المطمئنة, c'est le niveau le plus élevé vers lequel tu peux atteindre. وهي تلك النفس التي سكنت إلى الله تعالى. Cette nafs est apaisée sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est apaisée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle vit par Allah, pour Allah et avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَطْمَأَنَّتْ بِذِكْرِهِ وَطْمَأَنَّتْ بِذِكْرِهِ. Donc elle est apaisée par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَابَتْ إِلَيْهِ. Et qui fait toujours son repentir, son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ. Et qui obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَسْلَمَتْ لِشَرْعِهِ. Elle est soumise à la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est soumise devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاشْتَاقَتْ إِلَى لِقَائِهِ. Elle veut toujours la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque instant, elle ne veut que le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle chemine vers la rencontre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle attend avec impatience le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. كَرِهَتْ كُلَّ مَعْصِيَةً. Elle déteste tout péché. Elle n'aime pas les péchés. Elle n'est pas heureuse avec les péchés. Elle fait tout pour éviter le moindre péché, l'attente du péché. Elle descend vraiment au niveau de l'attente du péché. Elle aime toute forme d'obéissance. Cette nafs aime toutes les formes d'obéissance. Elle s'est débarrassée de toute caractéristique, de toute chose mauvaise, de toute chose pas bien. من الشح والأنانية واللؤم. Donc elle s'est débarrassée de l'avarie, c'est ça, الشح.
والأنانية لغويزم سي دابا غاسي د لغويزم الأنانية واللؤم لا بيرفيرسيتي والخيانة لا تريزون واستقرت على ذلك ال سي ستابيليزي سور سا فهي مطمئنة إلي أبيزي فهي مطمئنة إخوان بالله عليكم est-ce que vous pensez que l'اطمئنان aujourd'hui caractérise le monde dans lequel nous vivons Est-ce que vous pensez aujourd'hui, est-ce que vous voyez autour de vous l'apaisement? Est-ce que vous le voyez dans ce monde dans lequel on vit? Nous manquons de rien. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut, subhanallah. Nous sommes extrêmement riches par rapport à avant. Nous pouvons vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais subhanallah, on manque de stabilité, on manque d'apaisement. Dans les familles, on le voit. Les jeunes le voient dans leur famille. Alors je suis direct, ceux qui ne me connaissent pas, je suis direct et cru, donc je n'aime pas me cacher des choses ou là me mentir à moi-même. Mais c'est toujours pour évoluer, Inch'Allah. Donc on voit aujourd'hui que cet apaisement manque dans la société. Il manque entre l'homme et la femme. Il manque entre les frères et les sœurs. Il manque entre les enfants et les parents. Donc il manque partout. Cet apaisement de nafs manque. Et on le voit aussi chez les koufars, subhanallah. Les koufars, quel que soit leur niveau de richesse, ils ne sont pas apaisés, ils ne sont pas heureux. Entre une cure de désintoxication et une autre cure de désintoxication, il y a une cure de désintoxication s'il n'y a pas le suicide. Comme vous le savez, 266 000 tentatives de suicide, 12 000 réussies. J'aime bien le répéter, c'est pas pour le plaisir de le répéter, mais ça donne quand même une indication, subhanallah. Donc aujourd'hui, le monde, quel qu'il soit, musulman ou pas, manque de stabilité, manque d'apaisement. Et là, subhanallah, on sera entre deux versets, inshallah. Moi, je vais tourner autour de deux versets, subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي Celui qui délaisse l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui délaisse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui délaisse les bons enseignements de l'islam, wa man yu'rid 'an dhikri, celui qui délaisse tout ça, qu'est-ce qui lui arrive subhanallah? Fa inna lahu ma'ishatan danka, il aura une ma'isha danka. Ce mot en arabe littéraire nous déstabilise à chaque fois que je le répète subhanallah. Un mot lourd, extrêmement lourd. Danak, c'est d'une lourdeur pure. Ma'isha danka, c'est une ma'isha pleine de gêne, pleine de malheur, pleine de choses mauvaises. Plein d'instabilité, plein de dépression, subhanallah. C'est ça la ma'isha danka. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Et le jour du jugement dernier, il sera aveugle. Vous ne le voyez pas autour de vous ou pas, cette ma'isha danka? Est-ce que vous le voyez autour de vous ou pas? Billahi alaykoum. À tous les niveaux. On le voit dans la cellule familiale elle-même, entre le couple, on le voit partout, subhanallah, et on le voit à l'échelle des pays. On le voit à l'échelle des pays aujourd'hui. On voit, subhanallah, nos pays, 1 600 millions de musulmans aujourd'hui, une instabilité dérangeante, déstabilisante et étonnante, subhanallah. Et le deuxième verset, et on tournera autour des deux, inshallah, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Celui qui ont la foi, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Et leurs cœurs sont apaisés par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ L'antidote, ya ikhwan, à chaque fois que tu lis sur la nafs al-mutma'inna, tu trouves obligatoirement le dhikr. Tu trouves obligatoirement le dhikr. Ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, c'est ça qui a manqué à Ikhwan dans nos familles. C'est ça qui manque dans nos vies, subhanallah. C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala, de vivre l'islam. On a aujourd'hui le paraître, c'est vrai, nous avons atteint un niveau très élevé dans le paraître, subhanallah. On sait faire, c'est très facile. D'avoir le paraître du musulman, d'avoir le paraître de celui qui est dans le bien, celui qui veut montrer qu'il est quelque chose, alors que subhanallah, nous sommes très très loin quand on voit nos âmes. Nous sommes les spécialistes quand il s'agit de critiquer l'autre, de voir les défauts de l'autre, mais quand il s'agit de nous, walou, on ne voit pas subhanallah. Na'am amla ya ikhwan. Donc qu'est-ce qui manque? Hadi nafs al-mutma'inna, billahi alladhi la ilaha ghayruhu ya ikhwan. C'est la solution pour tous les problèmes. Je vous le dis franchement, Yahouan. Tu peux vivre ce que tu veux, comme ce que n'importe quel type de souffrance, n'importe quel
type d'épreuve, si tu arrives, inshallah, petit à petit, à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, à faire ce qui a fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu des choses qu'on peut nous croire que c'est pas possible, c'est extraordinaire, c'est extraterrestre, ça peut pas se produire. Yak, walakin billahi alladhi la ilaha ghayruhu. Quand on fixe cette nafs et quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette nafs et quand on fait ce qu'il faut pour arriver à cette nafs, inshallah, wallahi ya akhi, tu vivras heureux, tu vivras stable, rien ne pourra te déstabiliser. Et c'est ces sciences-là du cœur, ces sciences-là pour arriver à la nafs al-mutma'inna qui manque aujourd'hui. C'est, Cheikh l'a dit, tarbiyatu wa tasfiyatu. L'éducation à tasfiyatou, comment on peut traduire tasfiyya? C'est la purification. Cette âme, Ya Akhil Hassan, il disait, concentre-toi sur ton âme. Pose-lui des questions. Pourquoi tu as dit cette parole tel jour? Pourquoi tu as fait tel geste tel jour? Pourquoi tu t'es comporté de telle manière ce jour? Qu'est-ce que tu attendais de ce geste ce jour? Concentre-toi sur ton nafs et demande-lui des comptes. Omar ibn Khattab disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez des comptes à vos âmes avant qu'on vous demande des comptes. Ya ikhwan, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes, ya ikhwan, c'est un jour extraordinairement lourd. Si on ne s'y prépare pas, ya ikhwan, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, il nous attend des choses, la hawla wa la quwwata illa billah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Donc on arrive à l'antidote. Donc l'antidote, vous le savez, tu es intoxiqué par quelque chose, tu es empoisonné, tu as un problème, et tu vas essayer de lui trouver un antidote, tiryak, en arabe littéraire. Donc aujourd'hui nous sommes intoxiqués par quoi, ya ikhwan? L'antidote à quoi? On va trouver la solution à quoi? Quelle est l'origine de nos problèmes? C'est quoi les problèmes? Donc vous avez parlé de quelques-uns. La haine, la jalousie, le narcissisme, tous les problèmes que vous... Le radab, la colère et tous ces malheurs-là viennent de deux choses. Et je rajouterai une troisième chose. Vient de ton nafs. Donc si tu es dans le nafs, la amara bissou. Et vient de shaitan. فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, disait shaitan. Shaitan a juré par Allah subhanahu wa ta'ala de nous dévier tous. Il ne vit que pour ça. Son travail, c'est ça. Dans n'importe quel type de situation, il est là, à t'apprivoiser, il est là, à essayer de te faire tomber. Quoi que tu fasses, il est là. Dans n'importe quel type de chose, quelle qu'elle soit, Shaitan est là, donc il va tout faire pour te dévier à chaque fois. Et ton nafs, a'da a'daika, celle qui mérite ton jihad, celle qui mérite ta concentration totale. Donc c'est ton Shaitan, ou un nafsu, surtout les deux premières, mais surtout la première, l'ammara bissou, et troisième, Shayatin l'ins. Les chayatines des humains. Ces trois choses-là aujourd'hui sont la cause de la totalité des malheurs que nous vivons aujourd'hui. La totalité des malheurs, c'est ça. C'est shaytan. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Donc, le frère m'avait dit de parler un peu de la sincérité dans l'adoration. Donc, quelles sont les étapes pour arriver à cette nafs al-mutma'inna? Ça commence par le dhikr. Ça commence par muhasabatun nafs, demander des comptes à nos nafs, et surtout, première chose, innamal a'malu bin niyat. Chaque chose que tu fais, mon frère, ma soeur, quelle qu'elle soit, commence par ce hadith. L'un des hadiths les plus importants, il y a trois hadiths dans le dîn al-islami, les plus importants sont ceux-là. C'est vraiment pratiquement la totalité de l'ilm. C'est ce, un des hadiths, c'est celui-là. Fi sab'in bab, disait Shafi'i. Les actes ne valent que par les intentions. Vous le connaissez tous. Chaque humain, chaque personne a ce qu'il a eu comme intention. Donc l'intention qui traduit l'acte. Donc ya ikhwan, aujourd'hui, quand tu t'analyses bien, subhanallah, tu trouves que beaucoup de choses que tu fais, beaucoup de choses que tu fais, ya akhi, fihum shirk, fihum une association. Parfois, quand tu viens à la mosquée, tu viens pour que les gens disent il vient à la mosquée. Quand tu viens faire salat al-fajr, tu viens peut-être pour dire, pour que les gens disent je viens à la mosquée. Donc, nos actes aujourd'hui manquent de sincérité.
Et nos vies manquent de sincérité. Et ce qu'on fait, subhanallah, manque de sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا. Le seul ordre, l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, c'est أَيَّعْبُدُ اللَّهَ كِلَا دُغَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Ce مُخْلِصِينَ, cette sincérité qui manque aujourd'hui. Pourquoi tu vis? Pour quelle intention tu vis? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Chacun de nous répète le fameux verset, mais tous, subhanallah, ou la grande majorité, ne se concentre pas sur le verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le plus élevé, le niveau le plus élevé, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es là, tu n'as été créé que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah yarzikum bi khair, que chacun de nous se concentre sur son intention. Qu'est-ce que je veux faire? Pour quelle raison je vais faire? Je fais ça. Quelle est la raison, la vraie raison de la totalité de mes actes? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ou je cherche autre chose? Et là, quand on se concentre sur nos nawaya, sur nos intentions, là, ça laisse à désirer malheureusement. Donc ça commence par la rectification de tes niyas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu vis? Pour quelle raison tu vis? Pour quelle raison tu viens à la mosquée? Pour quelle raison tu entames un projet? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends un résultat d'un humain ou est-ce que tu attends la bénédiction et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? An-nafs al-mutma'inna. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Quand on médite, subhanallah, sur les gens qui nous ont précédés, et c'est vrai que malheureusement je remarque et on remarque tous que on n'analyse pas beaucoup et on médite pas beaucoup sur la vie de ceux qui nous ont précédés, sur sahaba, sur tabi'in. Wallahi, on voit des choses et on dit c'est pas possible. Quand ils atteignent ça, quand ils atteignent ce niveau, subhanallah, tu dis, c'est pas possible. Comment ils ont fait pour atteindre ce niveau? C'est cette stabilité, c'est cet apaisement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Lyon, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe entre nous, est-ce que nous sommes aujourd'hui, on donne l'exemple, ya ikhwan? Billahi alaykoum, est-ce qu'on donne l'exemple aujourd'hui? Nous vivons en Europe, dans un pays de mécréance, dans un pays de coffre, est-ce que d'après vous, les musulmans donnent l'exemple? Yak, là, on voit aujourd'hui des choses qui bougent un peu dans le monde, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe actuellement en Libye, et on pense peut-être que c'est bon, c'est la solution, on va claquer un doigt, Inch'Allah, les dirigeants vont partir et tous nos problèmes vont être résolus. Pensez-vous que ça va être résolu, les problèmes? C'est pas parce que vous êtes pessimiste. C'est pas Tachan qui fait ça. C'est que vous pensez et vous savez très bien qu'il y a autre chose qui fera l'élévation des musulmans. Yak. Ce qui appartient à la fameuse constante, et on arrivera encore à la nafs. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hna, l'origine de tout, ya ikhwan. Et on revient toujours à ma bi anfusihim. Allah, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne changera pas ce qu'il y a dans les gens tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Tant qu'ils n'ont pas nettoyé cette nafs. Tant qu'ils n'ont pas entamé le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. As-suluku ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas, mon frère, que d'Indiana, que l'islam, c'est quelques tokous, quelques ibadat, vides. Tu entres dans la prière, tu dis Allahu Akbar et tu oublies ce que tu as fait takbirat al-ihram. Oui ou non, les frères? Oui ou non? Ah, tu rentres et tu dis Allahu Akbar, est-ce que j'ai fait le wudu? Est-ce que j'ai gardé le wudu? Aujourd'hui, nous sommes très 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 loin, subhanallah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nous devons, ya ikhwan, vous avez peut-être subi, vous avez peut-être passé, vous avez peut-être eu le plaisir ou l'honneur de passer 3 à 4 jours. Il y a des gens, alhamdoulilah, qui bougent et qui essayent d'avancer avec vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à la fin, dites-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Et quelles sont les décisions que je vais prendre? Et quelles sont les mesures que je vais prendre? Et comment je vais commencer à entamer une vraie mue? M-U-E. Le serpent change de peau. Et les musulmans aujourd'hui ne veulent toujours pas changer de peau. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'accumulations qui s'expliquent par beaucoup de problèmes. Beaucoup de tarakoumates, beaucoup d'accumulations. Mais l'heure est arrivée, ikhwani, mes frères,
Et mes sœurs, de dire, ok, ben on va arrêter de dire c'est la faute du système, ou la faute de l'islam, ou la faute de l'histoire musulmane, ou la faute de mes parents, ou la faute du pays, ou la faute des politiques. Tu vas à un moment donné à écrire, tu te poses la question, tu dis, c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala me dit que l'histoire humaine, l'histoire peut changer, les pays peuvent changer à partir du moment où moi je change. C'est là cette constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le niveau des bassesses est très élevé et je ne veux pas être pessimiste. Le niveau des bassesses est très élevé. Le niveau du fond du fond, nous avons atteint le fond du fond et nous allons devoir nous élever. Comment y arriver? C'est Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence dans l'antidote. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parmi nous, qui a déjà lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que déjà on a commencé à lire Alhamdulillahi Rabbil Alameen et on a fini par Qul a'udhu bi Rabbin Nas et Malikin Nas? Est-ce qu'on a commencé à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? On s'intéresse à tout type de parole. Yak, à longueur de journée, on s'intéresse à la politique. On ne vit plus si on n'a pas écouté 2 à 3 heures de tel a dit, tel politique a dit, l'autre a dit. Mais on ne s'intéresse pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nafs al-mutma'inna commence par ça. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Yak, le Coran aujourd'hui, il est dans les armoires, et comme je le rappelle à chaque fois, dessus il y a de la poussière et dessus il y a des araignées, subhanallah. Et parfois, toute la vie tu ne l'as pas ouvert. Donc tu vas devoir, Yahri, te concentrer sur le Coran. Te concentrer sur le Coran. Lire le Coran. Apprendre le Coran. Vivre le Coran. Pratiquer le Coran. Être sous les lumières du Coran. C'est infini comme miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est infini comme source d'apaisement, ya ikhwan. Hada huwa. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tout tourne autour de ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba, il leur a dit, à chaque fois vous voyez des riyad al-jannah, à chaque fois vous voyez des riyad al-jannah, farta'u. Idha ra'aytum riyad al-jannati farta'u. Quand vous voyez les parcelles du paradis, farta'u, allongez-vous, installez-vous, venez vers les riyad de paradis. C'est quoi, ya Rasulallah, les riyad de paradis? C'est quoi? C'est hilaqu al-dhikr. Hala. Nafs al-mutma'inna, on va le répéter et on va jamais le répéter assez, c'est le dhikr. Dhikrullah. Dhikrullah, ya ikhwan. À chaque fois que tu vois ça, installe-le dans ta vie. Installe-le. Safi, prends la décision ferme et définitive de le faire avec ton père. S'il ne veut pas, de le faire avec ta mère. Si elle ne veut pas, de le faire avec tes enfants. Si ils ne veulent pas, tu leur imposes. Là, tu as sulta alayhim, tu as le pouvoir sur eux. Tu dois les éduquer sur ça. Hadou les enfants, hadou les petits, hadou. Allah yahdihum wa yaslahhum. Chou subhanallah, quelle beauté, mashallah. Chouf l'innocent, subhanallah. Hadal walad tajlis ma'ahu wa tadhakkiruhu billahi subhanahu wa ta'ala. Hna, on commence le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on s'installe. Et on cherche Riyad al-Jannah. Comme vous le savez, les anges les cherchent. Inna fil ardi malaikatan sayyarun. Des anges qui ne font que ça. Ils ne cherchent que ça. Ils cherchent les Riyad. Hadou les parcelles du paradis. Donc, alayka, à partir de l'instant qui suit, ya akhi, tu prennes la décision. Ok, mon âme, je peux mentir à tout le monde, mais je ne peux pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais la case. Moi, ma case, avec toute la modestie du monde, c'est, et c'est même pas sans modestie, avec tout le réalisme du monde, moi je suis dans la case Ammara, Sirat Mubalagha. Elle ne fait que l'amr, elle ne fait que l'ordre, elle m'ordonne le mal. À longueur de journée, elle m'ordonne le mal. Je veux être apaisé, je veux être un délice pour les autres, je veux être heureux, je veux, quel que soit mon problème, être heureux, je veux trouver le bonheur dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux trouver dans le bonheur dans Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux trouver le bonheur dans l'iqtida bin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que tout le bien soit quelque chose que mon âme veut. Je m'assois et je prends la décision ferme et définitive d'installer dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Si tu cherches sérieusement, si tu veux sérieusement cette âme apaisée, hana que ça commence. Hana que ça commence. Donc on va, inshallah, prendre la décision ferme et définitive de commencer à installer le dhikr dans nos vies. Ah, tu t'assois. Abu Huraira, il disait,
qu'il faisait, lui, l'istighfar 13 000 fois. Abu Huraira, wa ma adrakum ma Abu Huraira, je ne sais pas si vous imaginez le niveau, et malgré ça, subhanallah, il faisait l'istighfar 13 000 fois, minimum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans un majlis, كان يستغفر الله أكثر من 70 fois, 70 مرة, الذكر. Que ta langue soit apaisée par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je m'assois, je dis subhanallah, subhanallah, ça ne change pas. Là, commence yahi. Commence à faire le dhikr. Commence à t'asseoir. Commence à vider ton cœur de dunya. Commence à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ton âge. Wallahi, nous, personnellement, Allah yarham, ceux qui nous ont éduqués, ils ont opté pour ce type de choses quand nous étions jeunes. Et ça a changé, ça a métamorphosé nos vies dès le départ. Donc installe ça chez ta famille dès le départ. Installe ça avec ton épouse dès le départ. Yak, tu sais, même quand tu te maries, yari, puisque nous avons un auditoire de jeunes, même quand tu te maries, yak, la première nuit de consommation, tu ne te jettes pas sur la femme, il y a des choses à faire, yak. Tu dois salir quelques rak'at. Tu dois mettre ta main sur son front et faire un doua. Dhikr. Tout est question de dhikr. J'avais rappelé la dernière fois que même pendant le rapport intime, te fais un dhikr. Te fais l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah bi dhikrillahi tatma'innul quloub. Qui veut être heureux, ya ikhwan? Qui veut être heureux? Tout le monde, ya. Qui veut être apaisé? Tout le monde. Sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je le rappelle à chaque fois, mais je dois toujours le rappeler. C'est un beau hadith, subhanallah, fastoche facile, qui te permet de gagner beaucoup de hasanat et surtout d'avoir l'intercession de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, j'aime le rappeler et je vais vous le rappeler. Comme ça, vous allez voir que vers le 9, il n'y a pas grand chose finalement. Mais c'est juste la niya sincère, la niya sincère, la sincérité dans l'adoration. C'est qu'est-ce que je veux, pourquoi je vis, quelle est la raison de mon arrivée sur terre. Si c'est pour trois choses, des milliards de gens ont fait ça. Il n'y a que manger, boire, dormir, faire pipi, caca et avoir ses plaisirs. Si c'est que ça, il n'y a pas de grande différence entre toi et les animaux. Et même les animaux, dans le Coran, on sait qu'ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi et les jeunes, peut-être vous ne glorifiez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous vivez pour, si on vit que pour ces quatre choses-là, la hawla wa quwwata illa billah, c'est une vraie mosiba, c'est une vraie calamité. On doit vivre pour autre chose. On doit évoluer vers autre chose. Donc je dois quand même leur rappeler le hadith. Man salla alayya hina yusbihu. Man salla alayya ashran hina yusbihu. Wa ashran hina yumsi wajabat lahu shafa'ati. Celui qui fait 10 prières sur moi le matin quand il se réveille et le soir, وجبت له شفاعتي. Mon intercession pour lui devient obligatoire. شوف العجب. C'est facile, il y a des choses faciles. Et quand on lit l'adhkar, quand on lit l'ajaib de l'adhkar, quand vous lisez des livres de Ibn Qayyim al-Jawziya, vous voyez des ajaib, subhanallah. L'adhkar, les nawawi, vous voyez des ajaib derrière le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regarde, une petite évocation, si tu es régulier, tous les jours que tu l'as fait, ça rend obligatoire l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence à s'entraîner. On arrête de dire je ne parle pas français. On arrête de dire je suis dans un système mauvais. On n'arrête pas de dire tout ça c'est mauvais. Hala musib. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Wa ma li zamanina aibun siwana. Wa nahju dha zaman bi ghayri dhanbin. Wa nahju dha zaman bi ghayri dhanbin. Wa law nataqa zaman lana hajana. Wa laysa dhi'bu ya'kulu lahma dhibin. Wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. On n'arrête pas de critiquer notre époque. Ça c'est Sayyidi Shafi'i qui a dit ça. On n'arrête pas de critiquer l'époque. On dit nous vivons dans une époque mauvaise. Et nous sommes le plus grand défaut de nos époques. Et si nos époques parlent, si Allah donne la faculté de parler à nos époques, ils vont nous insulter. Ils vont dire que c'est nous les mauvais. Et le loup ne mange pas la chair d'un autre loup. Et on passe nos vies à manger les chairs de nos frères, la chair de nos frères. Ayana, en direct, en tête à tête. Et vous voyez au niveau de la bassesse des musulmans aujourd'hui, ils sont trop purs, subhanallah. Ils ont laissé
le sioniste et le franc-maçon wa ubba de shayatin wa ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui et ils se concentrent sur eux. Hada min al-bu'di 'an an-nafs al-mutma'inna. Quand tu vois ton nafs concentré sur les autres, ya akhi, sache que ton nafs est loin d'être mutma'inna. Vraiment très 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 loin. Maintenant inchallah on va rappeler dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sous son ombre, va ombrager le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Yak? On va parler d'un, subhanallah, qu'on n'évoque pas beaucoup, qu'on ne dit pas beaucoup. Vous allez toujours entendre rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhsha Allah rabbal alamin. Hadi, on la sort à chaque fois dans les rappels. Un homme que une femme belle, une femme qui a le pouvoir, lui a dit viens forniquer avec moi. Il dit ni akhaf Allah, ni akhaf Allah rabbal alamin. Je crains Allah. Vous allez trouver d'autres. Mais wahid subhanallah, on ne l'évoque pas. Vous allez trouver aussi rajul mu'allaqun qalbuhu bil masajid, son cœur est accroché aux mosquées. C'est aussi un des antidotes pour aller à nafs al mutma'inna. Ça aussi. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid salat al jama'a ma'al ikhwan. Mais il y a un subhanallah qu'on n'entend pas beaucoup et il est dans la lignée directe qui mène vers le nafs al-mutma'inna. Rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu. Un homme qui s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala, a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment où il était seul. Il est très facile de pleurer devant les gens. Très très facile. C'est facile ça. Parce qu'il y a l'ostentation derrière, et parce qu'il y a shirk, et parce que les gens dont ton shaitan va t'insuffler ce qui suit, c'est que tu pleures devant les gens, et ils vont dire c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un d'apaisé. Mais pleurer tout seul, que chacun de nous se pose la question, est-ce que tout au long de sa vie, il a déjà eu ça? Tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu pleures. Donc chacun de nous, inshallah, se concentre sur ça, et qui se disent à lui-même, est-ce que tout au long de sa vie, il a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, est-ce qu'il était assis un jour, tout seul, et il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, tadabbar fillahi subhanahu wa ta'ala, il a médité Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les ni'ams d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et tous les péchés qu'il a fait, et l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Tu fais des péchés sans fin et Allah subhanahu wa ta'ala te donne plus et plus et plus d'occasions pour te repentir. Est-ce que ya ikhwan, on pense à ce type de choses? Est-ce que ya ikhwan, on s'assoit un peu, on se pose et on commence à faire dhikr et on commence à pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Innama al-mu'minuna ladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Innama al-mu'minuna, certes les mu'minun, qui sont les mu'minun? Ladhina idha dhukira Allah, dès que Allah est évoqué, dès que Allah est évoqué, wajilat qulubuhum, leur cœur tremble. Est-ce que nous sommes parmi ces gens-là? Est-ce que nous sommes là aujourd'hui parmi ces gens-là? Et est-ce qu'on va mettre un mur de lamentation et on va passer nos vies à dire c'est la faute de l'autre? C'est la faute du système, c'est la faute de mes parents. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et quand les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils entendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rajoute dans leur foi. الفضيل بن عياض وما أدري ما أدراكم ما الفضيل بن عياض كان قاطع طريق ça veut dire était le chef de la bande, c'était un voleur et il passait sa vie à voler. Quand on voit aujourd'hui subhanallah le vol chez les musulmans, on connaît des gens qui travaillent dans les supermarchés qui volent, ya ikhwan. هذه الأمة مصيبة والله إلا مصيبة. On ne va pas se mentir, je ne suis pas en politique, je vais avoir honte de dire ça. Nous, c'est nous, à 90% de ceux qui volent dans les centres commerciaux, c'est nous. Ça, j'applique sur la France, la Belgique, je ne sais pas. Mais on m'a dit, Hani Ramadan est venu ici, on lui a volé ses bagages. Et à 99%, tu trouveras un de chez nous, malheureusement. On ne va pas se mentir. L'imam, qu'est-ce qui s'est passé dans cette umma? Qu'est-ce qui s'est produit dans cette umma? Donc il faudrait ibn Uyad était comme ça.
Il était comme ça. Il ne faisait que ça. Voler. Et traumatiser les gens. Il attendait les qawafil, les caravanes, et il ne faisait que ça. Traumatiser et voler. Avec des cavaliers ou avec des chevaliers, il attendait pour voler. Un vrai vagabond. Et les gens le connaissaient. Chaque fois qu'on passait par cette route-là, attention, il faudrait que les gens tremblaient. Et un jour, subhanallah, il est passé par là, il attendait, en embuscade, pour voler. Et là, il entend quelqu'un lire une parole. Une seule parole. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ أَزْلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Est-ce que l'heure n'est pas arrivée pour ceux qui ont la foi, أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, que leur cœur tacha, s'apaise, bouge, tremble, craigne Allah subhanahu wa ta'ala, لِذِكْرِ اللَّهِ, suite à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit بَلَا يَا رَبِّ. Rabid, une vie dans le vagabondisme, je ne sais pas si ça se dit ou ça se dit pas, dans le vol, dans le masaïb, un verset a suffi pour qu'il devienne un des plus grands ubad de la Ummah islamiyya, abid de la Ummah islamiyya, un des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la Ummah islamiyya. Donc il n'est pas tard. Pour ceux qui connaissent leur nefs et qui sont encore dans le stade de l'ammara, bisou, ils doivent savoir que ce n'est pas tard. Il aurait pu passer sa vie dans le vol et aujourd'hui personne ne le connaît. Il meurt comme des milliards de gens et personne ne le connaît. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on évoque le Fadl ibn Iyad. À chaque fois que tu lis sur Tawbah, le repentir, tu trouves le Fadl ibn Iyad en même temps. Ce verset a suffi pour le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala de beaucoup de monde. De beaucoup de monde. Et il avait un fils, ce Fadl ibn Iyad, Ali, le Fadl ibn Fudayl ibn Iyad. Celui-là, à chaque fois que le père sentait, se disait que, voyait que son fils est derrière lui dans la prière, il lisait avec des sourates un peu calmes. Et un jour, subhanallah, il n'a pas vu que son fils était derrière lui. Et il a dit un verset, des versets un peu durs. Et Ali est tombé dans les pommes, il s'est évanoui. Un seul verset suffisait pour déchirer leur cœur. Un seul verset. Qu'est-ce que nous, par rapport au verset, par rapport au Coran? La solution est dans ça, dans le Coran. Plus important que tout. Que vous. Il bouge, il joue, tout passe. Un verset, et un jour, subhanallah, il n'a pas vu Ali derrière lui. Et Allahu Akbar, il dit deux, trois versets. Et Ali tombe raide mort. Son fils est tombé raide mort. Il est mort, suite à un verset. Ala bi dhikrillahi tatma'innul quloub. Le miracle des miracles, le défi par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a défié le monde, c'est ça, c'est le Coran. Et nous allons devoir faire un retour vers le Coran. Et tout passe par le Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Si mes serviteurs te posent la question sur moi, te questionnent sur moi, fa inni qarib, dis-leur, je suis très proche. Il n'a pas dit leur. Non. Dans le Coran, chaque fois que vous entendez « Idha sa'alaka, yas'alunaka », c'est « qul », la réponse c'est « qul ». Dans ce verset, il n'y a pas de « qul ». Il n'a pas mis un intermédiaire. Allah n'a pas voulu mettre un intermédiaire entre lui et les serviteurs. Dira « Idha sa'alaka ibadi anni », il n'y a pas le mot « qul », dit, il n'y a pas. « Fa inni qarib », je suis proche, très proche. « Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an ». Hna, aujourd'hui, on demande à tout le monde. On essaie de trouver les solutions partout, chez tout le monde. Mais on ne demande pas la solution à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pose pas la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne fait pas l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il y a du chemin pour arriver à cette nafs. Ya Irwan, la crème de la crème. Zubdatul hadith. Je vous le résume en quelques secondes. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala,
le retour vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le retour vers cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis quelqu'un, choisis un groupe de ceux qui font le fajr le matin. Hadouk dial le fajr. Observe sur 6 mois avec lesquels j'ai le fajr yomiyan. Et prends-le et sois ami avec lui. Et huwa, il va te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu vas lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez tous les deux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Soulouku ilallah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a le paraître, alhamdoulilah. Aujourd'hui, il y a la quantité, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas encore la qualité. Cette qualité qui a transformé la vie de quelques Arabes qui n'existaient pas, comme à chaque fois j'aime le rappeler, qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité. Les peuples arabes, les tribus arabes n'existaient pas, ils n'avaient pas de civilisation. Leur histoire a commencé par l'islam. Leur civilisation a commencé par l'islam. En quelques années, ils sont arrivés aux 2/3 de la terre. Est-ce que vous êtes jamais posé la question pourquoi? Parce qu'ils se sont métamorphosés, parce qu'ils ont changé ce qu'ils ont en eux. Tu demandes une épouse d'Eyina, tout ça, tu demandes des choses, tu veux des parents, tu veux tout que ça soit parfait. Mais là, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour savoir qui est, qui œuvre bien. Anna, tout n'est pas facile. Et chacun son lot d'épreuves. Et chacun aura son lot d'épreuves jusqu'à son dernier souffle. Mais il y a des gens qui vont faire un choix, comme le Fudayl ibn Iyad, par exemple, et comme tant d'autres. Tant d'autres. Malik ibn Dinar, lisez. Kitab Tawwabun ibn Abi Qudama. Lisez. Ceux qui se repentissent, Tawwabun. Et vous allez trouver des merveilles de ceux qui sont repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient pires que nous. Et qui étaient vraiment pires que nous. Des gens qui ont fait des choses que Shaitan lui-même ne faisait pas. Et inversé, à un moment donné dans leur vie, subhanallah, ils ont ouvert leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on chemine encore. Qui aujourd'hui se rappelle de la mort? Qui parmi nous médite sur la mort? Yeah. من أراد مؤنسا disait Cheikh Kishk, من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه من أراد حجة celui qui veut un argument فالقرآن يكفيه le Coran lui suffit celui qui veut de l'argumentation la puissance de l'argumentation فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعه تكفي celui qui veut la richesse القناعه se contenter de peu يكفي والشاهد عندي في هذا الكلام هو من اراد واعظا celui qui veut un conseiller فالموت يكفي la mort lui suffit. Est-ce qu'on médite assez sur la mort? وجاءت سكره الموت بالحق. Est-ce que tu as déjà médité sur cet instant? والله quand tu médites sur cet instant يا اخي tu n'auras plus le temps de faire des bêtises. Et tu n'auras plus le temps de faire des problèmes. Et tu chemineras vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa le plus grand conseiller vers l'âme mutma'inna. À chaque fois, هذا النفس هذه تكذب عليك. Rakaz. Rakaz. Médite sur la mort. Pas loin de quelques jours, subhanallah, des gens qui habitent, deux jeunes qui habitent à côté de ma belle famille. Des gens avec qui ma femme a grandi. Et c'était gamin, ce sont des enfants, mais elle a grandi avec leur famille. Elle les connaît parfaitement, Mohammed et Othman. Et Mohammed avait l'habitude d'aller ramener à manger à son papa qui travaille pas très loin du chemin de fer. Et il passait, donc il avait pris la nourriture pour aller donner comme d'habitude, comme tous les jours à son papa. Et à un moment donné, il rencontre Othman. Ah Othman, viens avec moi, il y a un show. On vous dépose et après on rentre chez nous. Et Othman vient alors qu'il était en train de marcher vers autre chose, notre destination. Mais il vient pour faire plaisir à son ami et pour l'accompagner. Donc il voit le premier train passer, il s'arrête, il voit le premier train passer. Et il continue, mais ils n'ont pas fait attention au deuxième train. Et le deuxième train les déchiquetait tous les deux, subhanallah. 13-14 ans. 13-14 ans. Là aujourd'hui, quelques secondes avant, on ne le savait pas.
Ils ne savaient pas qu'ils allaient vers la mort, qu'ils allaient vers la mort. Hana al-bidaya. Hana, c'est vraiment cette date-là. Ibn Adam, waladatka ummuka bakiyan, wan nas yadhakuna hawlaka surura, fa'mad ila 'amalin takunu bihi yawma yabkuna dahikan masrura. Ta maman, tu es venue au monde et les gens étaient autour de toi. Tu es venue en pleurant et les gens étaient heureux, souriants. Ils exprimaient la joie quand tu es venue. Fa'mad ila 'amalin, fais une œuvre qui fera que le jour où toi tu pleureras, ou les gens pleureront pour toi, toi tu partiras, dahikan masroura, souriant et heureux. Rahna, date début, date fin, entre les deux il y a un passage, had le passage qui compte, yahi, et tu dois toujours viser la date fin, et tu dois toujours savoir que, wa nahnu aqrabu ilayhi min habli l'warid. Wa nahnu aqrabu ilayhi min habli l'warid. Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus proche de nous que la veine jugulaire. هذا الموت ولا oublier اخوان et quand tu vois quelqu'un narcissique qui s'aime et qui s'adore ou كذبت عليه مرايته مسكين quand il voit dans son miroir مسكين il voit quelque chose c'est qu'il a oublié l'amour يا اخي ذكروا هازم اللذات disait محمد صلى الله عليه وسلم nous voulons évoluer vers نفس المطمئنة on commence aussi par la mort qui donnera des résultats la miséricorde je vois la miséricorde Et le sourire, elle est normale. Nafs ghair mutma'inna. Nafs elle n'est pas mutma'inna. Comment tu veux la miséricorde? Nafs elle est ammara. Elle a pris quelques détails de la religion. Il n'y a pas de détails dans la religion. Mais elle a pris 2-3 points de la religion qui sont de l'extérieur. Et elle a commencé à classer des gens. Elle a commencé à être dure avec les gens. Elle a commencé à ne pas sourire avec les gens. Pour que tu arrives à cette miséricorde pour laquelle tu as été envoyé à l'humanité, Yahri. Ton prophète a été envoyé à l'humanité comme miséricorde. Et nous sommes envoyés à l'humanité comme bada. Et je ne veux pas être dur, Yahri. Essayez de comprendre Allah. Il faut voir un peu la réalité. Il ne faut pas se mentir. Il faut à un moment donné prendre la décision. والله الذي لا إله غيره توي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الكفار اللي عايشين معك ما داموا مسلمو كيف توا tu as fait comment tu as œuvré est-ce que c'était ton ham que هما يهديهم الله qu'ils se convertissent à l'islam تابعين سلف on parle souvent de سلف mais on oublie leur comportement et on oublie leur dire ils disaient سلف والله لو أن الملوك وأبناء الملوك عرفوا ما عندنا لجلدنا عليه بالسيوف si les rois et les fils de rois avaient vu savaient ce que nous avons nous comme apaisement ils auraient pris leur sabre pour nous tuer pour nous prendre ce que nous avons nafs al-mutma'inna ils avaient nafs al-mutma'inna cette nafs al-mutma'inna a été le carburant de leur vie ils vivaient pour Allah est-ce que nous on vit pour Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que nous on vit pour Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on veut garder le nafs al-mutma'inna? Est-ce qu'on veut vraiment évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on priorise le dunya? Est-ce qu'il y a dedans par rapport à l'akhirah? Ah, des questions qu'il faut se poser à un moment donné ou à un autre. Parce que tout passe. Kul shifait, kul bakin fa sayubka. Chaque personne qui pleure, on pleurera pour lui un jour ou l'autre. Wa kullu madhkurin sayunsa. Chaque personne de qui on parle aujourd'hui, elle sera oubliée. Elle sera oubliée. Chaque chose, quel que soit son niveau, elle descendra. 3 minutes qui me restent. Avec ces 3 minutes, Inch'Allah, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, on va faire un exercice pratique. Yak, je voudrais, Inch'Allah, qu'on se concentre, vraiment. Que chacun ferme les yeux. Et que chacun médite sur lui, sur sa vie. لكن الناس معنا كيتكلموا بالدارجة كل واحد يغمض عينيه ويفكر في حياته بالعربية كل واحد منا يغمض عينيه ويتذكر حياته وينظر إلى حياته ويحاول أن يحاسب نفسه إن شاء الله donc moi je vais vous lire quelque chose القرآن الذكر tout ça الوعظ الزهد قصائد الزهد les poèmes de زهد moi j'ai pris un exemple إن شاء الله et je vais vous lire et on va chacun de nous fermer les yeux et on va se concentrer إن شاء الله Yalla, on va faire un exercice pratique, on a théorisé, les frères vous ont parlé, on dit beaucoup de théories. Je voudrais, Inch'Allah, si ça ne vous dérange pas, que chacun ferme les yeux, se concentre sur son arrivée sur terre, sur le jour où il va partir et sur ce qu'il a fait entre les deux.
tous les bassasses qu'il a fait, toutes les bêtises qu'il a fait, toutes les injustices qu'il a fait, toutes les choses mauvaises qu'il a fait. Et Ilyas, Inch'Allah, me donnera plus de 3 minutes. Yak, ma'andak mouchkil. Yak, yalla. On ferme les yeux tous, Inch'Allah, et on va se concentrer, Inch'Allah. ليس الغريب غريب الشام واليمني ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهر بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني ما أحلم الله عني حيث أمهلني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني يا زلة كتبا دعني أنوح على نفسي وأندبها دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن دعني أسح ذنوبا دعني أسح الدموع الانقطاع لها دعني أسح دموعا لانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أسح دموعا لانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم نرى الطب هذا اليوم ينفعني ولم نرى الطب هذا اليوم ينفعني واستخرج الروح مني في تغرورها واستخرج الروح مني في تغرورها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا وغمضوني وراح الكل وانصرفوا نحن نحو الإياب بعد الإياب وجدوا في شرى الكفن وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام حب الناس في عجل وقام حب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني من الثياب وأعراني وأفردني هذا زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب il nous dit, il nous rappelle une قصيدة ليس الغريب, elle te décrit ta vie elle te décrit ta vie cette قصيدة donc quand tu médites sur ce type de choses ya akhi, sahaba il méditait sur un verset toute la nuit prends un verset toute la nuit وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار prends ce verset là et passe la nuit avec Et Wallah il a dit, la ilaha ghayruhu, tu verras que tu t'élèves vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu évolues vers nafs al-mutma'inna, tu évolues vers la stabilité. Fi dhulmati al-qabri, il dit dans cette qasida, une qasida tawila, longue, mais je ne voudrais pas faire énerver notre frère Ilyas. Ikhwan, chacun de nous, le but c'est pas de venir épater la galerie ou de venir parler ou papoter. Les gens, subhanallah, s'investissent. Vous avez cette ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas. C'est hilaq al-dhikr, c'est rappel, c'est pas pour écouter,
Ce n'est pas que pour écouter, c'est pour que le cœur écoute. Le zahir aujourd'hui, alhamdoulilah, il est bon. Nous avons un extérieur, alhamdoulilah, sunna. Il faut aussi que ce cœur soit sunna. Et le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'humanité. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes une miséricorde pour nous? Déjà, tu es entre toi et toi-même en guerre. Est-ce que tu es une miséricorde pour ta famille? La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que tu es une miséricorde pour ton épouse? Est-ce que tu es, toi, épouse, miséricorde pour ton mari? On doit se poser des questions. Ya ikhwan, nafsul mutma'inna. Nous, en une heure et quelques minutes, on ne peut pas faire le tour. Mais c'est toute une vie. Hadi, c'est la vie de salihun. Ce sont les gens pieux qui ont fixé cet objectif et qui ont visé cet objectif. Ya ikhwan, chacun de nous doit au moins faire la niya sincère. Ça ne te coûte rien. Innamal a'malu bin niyati wa li kulli imri'in ma nawa. Ya, fais la niya sincère. Je veux cette nafs al-mutma'inna. Je veux cette nafs qui a changé le monde. Je veux cette nafs qui n'a jamais manqué dans toute l'histoire musulmane. Depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, alhamdoulilah, qu'on ne voit pas, qu'on a tendance à mépriser, qui n'ont pas parfois notre extérieur pour lequel on pense qu'on est quelque chose. Ils n'ont pas notre extérieur, mais ils ont des âmes, subhanallah, qui peuvent, s'ils demandent à Allah, subhanahu wa ta'ala, de transformer une montagne au nord, Allah, subhanahu wa ta'ala, le fera pour lui. Je finis avec un hadith qudsi. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui lance une animosité contre un de mes wali, un wali, quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala aime, فقد آذنته بالحرب. Je lui lance la guerre. Donc imagine si Allah te lance la guerre. Donc à partir de cet instant, ya ikhwan, l'umma mushattata, l'umma mufarraqa, l'umma est divisée. Toi, tu es une umma tout seul, ferme ta bouche. N'attaque plus tes frères. Attaque les kuffars si tu as une bouche qui veut parler, n'attaque plus tes frères. Après, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment atteindre aussi cette nafs al-mutma'inna. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Il n'y a pas quelque chose par laquelle mon abd, mon serviteur, s'approche de moi que j'aime plus que ce que je lui ai obligé de faire. Souvent, on fait des choses surrogatoires alors qu'on ne fait même pas des choses obligatoires. Donc, rakaz sur tes salawat, tes prières. Concentre-toi sur tes prières, concentre-toi sur ton jeûne, concentre-toi sur ta zakat, toutes ces choses-là déjà les obligatoires. Et Allah continue. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur va continuer. لَا يَزَالُ, لَا يَزَالُ. Toujours on continue, sans cesse. يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ. Il s'approche de moi, بِالنَّوَافِلِ, par les surrogatoires, toutes choses surrogatoires. Donner l'aumône, faire les prières surrogatoires, le jeûne, lundi, le jeudi, ayyam al-bid, toutes choses surrogatoires. Wahed, mon père fait un demi hizb par jour, moi je fais 4 hizb par jour. Au lieu de gaspiller ma vie devant le wana et devant la télé-réalité, moi je lis le Coran et j'avance. Hatta uhibba. Celui qui fait ça, hatta uhibba. Là il atteint nafs al-mutma'inna. Hatta uhibba. Jusqu'à ce que je l'aime. Imagine si Allah t'aime. Même s'il a commis les plus grands... Les plus pires péchés que tu peux imaginer. Le frère Adel, tout à l'heure, a expliqué celui qui a tué 100 personnes. Et il n'a pas fait un bien. Et après, je répondrai aux questions. On pourra donner la fin de cette histoire. Quel que soit le niveau des péchés. Hatta uhibbahu. Fa'idha ahbabtuhu. Vous connaissez le hadith. Sartu aynahu lati yara biha. Je deviens son œil par lequel il voit. Imagine, tu vois par Allah. Ton œil est Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton œil ne voudra pas, ne supportera pas voir le haram. Ne pourra pas voir le haram. Wa udhunahu allati yasma'u biha. Je deviens son oreille par laquelle il écoute, il entend. Ça veut dire que ton oreille ne pourra pas supporter la médisance, même si elle vient de sa propre mère. Et le hadith est tawil. Voilà. Si tu veux, l'amour d'Allah. Nafs al-mutma'inna, on a commencé par le verset. فادخلي في عبادي يا ايتها النفس المطمئنه ادخلي في عبادي. Et toi tu veux عبادي, c'est quoi? Tu vas vers sourate al-Furqan, وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا. Et là tu as la description des عباد الرحمن. Allah te dit فادخلي في عبادي, rentre, sois avec عبادي, mes serviteurs. وادخلي في جنتي,
rendons mon paradis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوانا سمحونا بزاف سيدنا يتبوه.